Salut à tous, c'est Nekalway et aujourd'hui on parle d'un sujet que vous adorez tous, le porno. En plus, j'ai pris le meilleur pour vous, bande de vénards. Et on commence tout de suite. Vous savez qu'il existe des centaines de catégories dans les films X, mais sais-tu que les plus vendus impliquent de la violence générale envers les femmes? Ne me demandez pas pourquoi, bande de sados. Bon, un fait assez bizarre, mais je précise interdit en France, la pédopornographie, en bref, du sexe avec des mineurs. Et vous saviez qu'il existe plus de 1500 catégories, ce qui est assez chelou. En plus, on sait que seulement 17% des acteurs utilisent des préservatifs. Et les gars, vous connaissez ce mec qui a toujours Popolo garde à vous. Et oui, je sais, ça fait plutôt penser à mon chien qu'à autre chose. Mais bon, pour revenir au vif du sujet, des personnes sont appelées fluffeurs pour aider les acteurs porno à garder leur érection entre chaque scène. Maintenant, on va à l'autre bout du monde, dans un pays magique où règne la liberté d'expression et le droit de parole. Vous voyez pas? La Corée du Nord. Chez notre ami Kim Jong-un, le petit enfant gâté du pays. Et malgré le haut de ses 33 ans, il n'a pas encore compris que le Père Noël n'existait pas. Et merde, j'ai choqué certains d'entre vous. Le saviez-vous, produire, distribuer ou jouer dans un film porno est passible de la peine de mort dans ce pays. Heureusement que copuler n'est pas interdit, sinon je plains ce pays. Et pour finir, quelques chiffres et un bonus. Un film porno est fait toutes les demi-heures pour satisfaire plus de 30 000 ramoneurs la seconde. Le porno rapporte plus de 50 milliards de dollars, sans compter les Kleenex. Et pour toi, je vais te donner une petite astuce pour que tu puisses exaucer ton rêve. Mon petit cochon qui rêve d'entrer dedans. Eh ben, tu peux toujours rêver, à part si tu ressembles à Bob le marteau-piqueur. Mais t'inquiète pas, j'ai trouvé encore mieux pour toi. Le porno gay. Là-dedans, t'inquiète, tu trouveras. C'était la fin de la vidéo, c'était Nekalway. Ciao! Et bien sûr, tu connais le tralala, abonne-toi, like et peace!